Le désert du Sahara est parmi les endroits les plus exposés aux rayons du soleil sur Terre. En effet, tous les jours, la température du sable du désert de Sahara atteint 80 degrés. D'après la NASA, chaque mètre carré reçoit en moyenne entre 2000 et 3000 kWh d'énergie solaire en une année. Alors si on installait une ferme solaire recouvrant la totalité du désert, cette ferme produirait plus de 2000 fois plus d'énergie que les centrales électriques les plus performantes du monde, qui affichent environ 100 000 gigawattheures par an. Mais si nous tentions de recouvrir totalement le Sahara avec des panneaux solaires, le climat de la région serait énormément affecté. En couvrant totalement le désert, cela provoquera une augmentation de la température du sol. La chaleur excessive générée par les panneaux solaires dans le désert risquerait de modifier le flux de l'air, ce qui affecterait les systèmes météorologiques dans diverses régions de la Terre. Pour suivre le rythme et répondre aux besoins d'énergie de l'humanité, il faut apporter des solutions à petite et à grande échelle.